agents de santé de plus en plus victimes d'agressions sur leur lieu de travail, une situation que déplore le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le dossier du dimanche s'intéresse ce soir à la question du tabagisme. Le tabac, un danger permanent pour fumeurs actifs et passifs. Washington libère 5 talibans. Ils ont été échangés contre un soldat américain. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dominicale. Les agents de santé de plus en plus victimes d'agressions dans l'exercice de leur profession. Médecins, sages-femmes et infirmiers doivent faire face au quotidien à des insultes et à des bastonnades. Les patients, il faut le dire, ne font plus vraiment preuve de patience. Une situation que déplore le ministère de la Santé, Conné Pargassero et Serge Colléa. Le personnel des établissements sanitaires dit ne pas comprendre les actes de vandalisme, d'agression et de violence récurrents dont ils sont victimes. Docteur Ouattara, qui est un pédiatre, qui a été bastonné par un parent de malade au CHU de Trècheville. Et au CHU de Cocody, le professeur Folke, qui a également été bousculé et fait tomber par un parent de malade. Ces actes sont dénoncés et condamnés par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Pour le ministère, cette situation perturbe le fonctionnement des services de santé et réduit l'efficacité des soins. Une conférence donc pour interpeller les populations et rassurer le personnel de santé. Des mesures ont été prises pour leur protection sur leur lieu de travail. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida lance un appel à la population. Ils doivent contribuer à l'amélioration du climat de travail. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida rassure son personnel que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité au travail. Le docteur Blédy Félix indique que sur instruction de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, une campagne de sensibilisation des gestionnaires et prestataires pour un changement de comportement et pour la bonne gouvernance en santé est en cours. Le 143... C'est le numéro vert mis à la disposition de la population par le ministère afin que celle-ci apporte sa contribution à l'amélioration du climat de travail au sein des structures et établissements de soins. On évoque à présent l'opération Porc-Épic qui est en marche depuis mardi dernier. Cette opération consiste à débarrasser les trottoirs des médicaments contrefaits et non inscrits dans le circuit normal de distribution. Seringues, sérums et antibiotiques ont été saisis. Depuis le début de l'opération, ce sont au total plus de 100 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés qui ont été interceptés au marché Roxy à Abidjan, à Mans et à Dallois. L'opération a également démarré à Vavois. Soro Corona et Charles Tatou de RTI Boaké nous en disent un peu plus. Les médicaments de rue absorbent aujourd'hui entre 25 et 30% du marché pharmaceutique national, soit environ 30 milliards de francs CFA par an. Le phénomène est d'autant plus répandu que chaque marché du pays a son propre espace de vente de médicaments. En Côte d'Ivoire, ces produits médicaux ont commencé à apparaître dans la rue au début des années 1980. Face à l'ampleur de ce fléau, et aux conséquences néfastes de la consommation de ces médicaments, l'État vient d'initier une opération baptisée « Opération Porc-Épic » sur l'ensemble du territoire. Nous sommes ici dans le cadre de la lutte contre les médicaments, les produits pharmaceutiques non enregistrés qui se vendent d'une façon anarchique sur le marché. À Bonoufla, ce sont plus de 30 tonnes de médicaments frauduleux contrefaits qui ont été saisis. Ce stock ramassé par la police, la gendarmerie, les FRC, les douanes, l'Interpol et l'ONUCI représente plus de 500 millions de francs CFA. L'opération Porc-Épic se déroule conjointement dans tous les pays de la CEDEAO. Les conséquences sanitaires de l'utilisation de ces médicaments sont les plus atroces et révoltantes. Elles relèvent essentiellement de l'automédication, des indications erronées, des erreurs médicamenteuses, des surdosages et de l'abus. Cette brève pour ouvrir la page internationale, Myriam Yahya Ibrahim Ishag, la chrétienne condamnée à mort le 15 mai dernier pour apostasie, ne sera finalement pas libérée dans les prochains jours. Ce dimanche, les autorités soudanaises ont affirmé que les déclarations en ce sens attribuées la veille à un responsable avaient été sorties de leur contexte. Née d'un père musulman, cette soudanaise avait été condamnée à mort en vertu de la loi islamique qui interdit les conversions.
Et toujours, en bref, au Kenya, trois personnes ont été blessées hier soir dans un attentat à la grenade. Il s'agissait de mécaniciens qui étaient à la tâche. Le Kenya est, on le rappelle, le théâtre de plusieurs attaques depuis que le pays a envoyé son armée combattre les Shebab en Somalie. C'était en octobre 2011. Cette fusillade au musée juif de Bruxelles, l'auteur présumé a été appréhendé à Marseille en France. Ce Français âgé de 29 ans détenait des armes et une vidéo qui évoque l'attaque en Belgique. Cette fusillade du musée juif avait fait trois morts, dont un couple d'Israéliens et une bénévole française. Une quatrième victime, un employé belge, est toujours entre la vie et la mort. Un Français au profil djihadiste a été arrêté vendredi à Marseille, dans le sud de la France. Il est soupçonné d'être l'auteur de la fusillade qui avait fait quatre morts au musée juif de Bruxelles le 24 mai dernier et que l'on voit sur ces images de vidéosurveillance. Le suspect, âgé de 29 ans, a été transféré à Paris, à la Direction générale de la sécurité intérieure où il était fiché. Sa garde à vue peut durer au moins jusqu'à mardi. Lors de son arrestation, Medine Mouche était en possession d'armes du même type que celles utilisées à Bruxelles. Il aurait séjourné en 2013 en Syrie auprès des djihadistes. En Turquie, les manifestants qui ont marqué hier le premier anniversaire des rassemblements antigouvernementaux de juin 2013 se sont heurtés à l'intervention musclée des forces de l'ordre à Ankara, des heurts qui se sont poursuivis aujourd'hui. En Turquie, des milliers de manifestants ont été violemment dispersés samedi à Istanbul et Ankara à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Ils étaient descendus dans les rues pour célébrer le premier anniversaire de la fronde contre le gouvernement islamo-conservateur qui avait embrasé le pays. À Istanbul, la police avait mobilisé 25 000 hommes. Elle a chargé autour de la fameuse place Taksim, épicentre de la révolte de juin dernier, procédant à de nombreuses arrestations et faisant quelques blessés. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Erdogan, fustigeant ses adversaires, avait averti qu'il ne tolérait aucun débordement. Cinq anciens cadres du régime taliban ont été libérés de la prison de Guantanamo. Ils ont été échangés contre un sergent américain. Après 5 années passées en captivité parmi les talibans afghans, le soldat est arrivé en Allemagne où il va maintenant séjourner. Une libération qui pourrait aider au processus de paix. Épilogue heureux après plusieurs mois de transactions, la libération du sergent Bergal après 5 ans de captivité chez les talibans en Afghanistan, échangé contre 5 prisonniers détenus à Guantanamo. Je suis un prisonnier, je veux rentrer chez moi. Les Afghans qui sont dans nos prisons veulent aussi rentrer chez eux. Depuis la Maison-Blanche, le président Barack Obama, accompagné de Gianni et de Bob, les parents du sergent Bergal, a annoncé la nouvelle de sa libération. Ce matin, j'ai appelé Bon et Gianni Bergdahl et je leur ai dit qu'après près de 5 ans de captivité, leur fils Beau rentre à la maison. Cet échange de prisonniers peut aider à relancer le processus de paix en Afghanistan. Le sergent américain a été remis samedi à des soldats de la force spéciale de son pays. En bonne condition physique, le militaire va être transféré vers un hôpital militaire en Allemagne. Une nouvelle bien accueillie par les populations à la fois aux États-Unis et en Afghanistan. Je suis rempli de bonheur pour la famille. Je suis fier de ce gouvernement qui s'occupe de ses citoyens et je lui souhaite un bon retour dans sa famille. Nous sommes directement concernés par ce genre d'échange. C'est un grand défi pour les forces de sécurité afghanes et pour notre pays tout entier. Le sergent Bov Bergdahl a été capturé le 30 juin 2009 dans la province de Paktika, seul et unique prisonnier de guerre américain en 13 ans de conflit. Après une période d'acclimatation en Allemagne, il s'envolera pour un centre médical à San Antonio au Texas pour retrouver sa famille et ses proches. En bref, 7 personnes dont un patron de presse américain ont été tuées dans un crash aux environs de Boston. On va à présent parler football, mais d'abord en bref, cet après-midi, la SEC Mimosa a battu l'Union sportive de Bassam 2-1, un match comptant pour la 23e journée de la Ligue 1. Et toujours en sport, jour J-11 pour la Coupe du Monde au Brésil, la sélection ivoirienne se prépare. Les éléphants qui sont depuis une semaine à Dallas aux États-Unis s'échauffent dans une ambiance bon enfant. Le reportage de Ange Assoukrou. Le quartier général des éléphants de Côte d'Ivoire à Saint-Louis dans l'état du Missouri est à 10 minutes de marche du stade Edward Jones Dome. Il y règne une bonne ambiance entre les joueurs. À l'heure de la marche sportive, les joueurs sont au rendez-vous.
Ils profiteront de ce réveil musculaire pour goûter à la beauté de cette ville très peu connue des Ivoiriens. Le président de la Fédération Ivoirienne de football, Sidi Diallo, participe à la marche avec 6 joueurs, ainsi que plusieurs membres de l'encadrement de l'équipe. Pour le déjeuner du jour, les éléphants ont la visite de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, son Excellence Daouda Diakité. Le grand capitaine des éléphants, à savoir le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, mise sur eux. Et il n'y a pas de petite compétition. Et l'effet psychologique est important. Il faut donc qu'ils prennent ça très au sérieux pour apporter la satisfaction que le peuple ivoirien attend d'eux. Des supporters ivoiriens sont venus voir leur équipe nationale qui séjourne pour la première fois à Saint-Louis avant de se rendre au Brésil. Place à présent au dossier du dimanche. En Côte d'Ivoire, 14,6% de la population fume et ce sont 5000 fumeurs actifs ou passifs qui meurent chaque année. Commencer à fumer, un geste facile, mais arrêter, c'est encore plus difficile. Le tabac tue, le dossier du dimanche, vous vous en rendre compte. Kobénan, la 31 ans révolue, est chauffeur de taxi banalisé sur la ligne à Diamé-Trècheville. Par curiosité, il s'adonne à la cigarette à l'adolescence. Cette pratique, au fil du temps, l'amène à être dépendant de la cigarette. Avec tous les efforts fournis, il n'arrive plus à s'en défaire. Bon, souvent, je suis nerveux comme ça seul. J'ai même acheté la cigarette. Bon, souvent aussi, si je suis au kiosque en train de prendre un petit café, j'ai fini, il faut que j'accompagne avec la cigarette. La nourriture est finie. Tant que je n'ai pas fumé, bon, je ne me sens pas en l'aise, quoi. Le jus, je prends ma décision. Matin même, je ne fume plus que ça. Tout comme lui, Narcisse, électricien auto dans la commune de Cocody, considère la cigarette comme un stimulant. On peut prendre une décision, on dit bon, fume plus. Mais tu passes, tu inquiètes, tu as des soucis, tu n'arrives pas à surmonter tes inquiétudes en même temps que tu prends ta cigarette. Tu arrives à calmer un peu, ou soit tu es en colère un peu avec tes amis, tout ça là. Tu mets avec ta femme à la maison. Cependant, ces fumeurs reconnaissent que la cigarette les expose à de graves dangers. C'est de la fumée, c'est du feu. Voilà, ça travaille les poumons et puis la gorge et tout. Souvent qu'on fume trop, on sent des douleurs, on tousse. Je prie Dieu toujours pour ça, pour que je puisse laisser la cigarette, parce que c'est pas bon. Face au danger, Ahmed, responsable de ligne à la gare de Trècheville, a tourné le dos définitivement à la cigarette. Ça me rendait malade et je n'avais pas grossi, j'étais maigre en ce moment. Et tout en les petits palus, les maux de tête. Le docteur Samedi Djebi est addictologue, psychothérapeute au centre d'accueil de la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire. Pour ce spécialiste, chargé de la prise en charge des victimes du tabac, de l'alcool et de la drogue, les fumeurs, sans distinction de sexe, s'exposent à des pathologies mortelles. Il faut considérer essentiellement 3 groupes de pathologies. Les cancers bronchopulmonaires. Après les cancers, ce sont les pathologies cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, qu'on appelle la maladie de Berger, les accidents vasculaires cérébraux, les thromboses veineuses. Au niveau des femmes, la femme aura un déficit hormonal. On aura naturellement une baisse de la fécondité de la femme, c'est-à-dire qu'une femme qui fume va tomber rarement en grossesse. Quand cette femme tombe en grossesse, on a une augmentation de l'âge de la gestation. Mais on peut aussi avoir une prématurité. Il y a un faible poids de naissance chez l'enfant qui va naître. Le bébé qui est aussi dans le placenta fume une partie de la cigarette. Comme les hommes, de nombreuses femmes s'adonnent à la cigarette. Un comportement choquant pour certaines personnes. Une femme enceinte n'a pas droit à fumer la cigarette. Quelle que soit la santé, qu'on dit non, quand tu es enceinte, il faut fumer la cigarette. C'est très bon, c'est pas bon, ça tue. Fumeur, non-fumeur déconseille aujourd'hui la cigarette à la jeune génération. Quand je vois un enfant en train d'allumer la cigarette, je lui dis, mais nous les grands, on cherche à arrêter et puis c'est maintenant que vous apprenez. Il ne faut pas, ils vont se mener. Parce que où moi je suis là, j'ai au moins 38, mais aujourd'hui là, si on me voit, on me dit, quelqu'un qui a 50 ans. Moi-même, je me vois, quand il me regarde dans le miroir, je vois. Qu'ils s'abstiennent. Une fois dedans,
on regrette. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 90% des cancers du poumon sont provoqués par le tabac. 80% des victimes d'infarctus du myocarde âgées de moins de 45 ans sont des fumeurs. Un fumeur sur deux meurt prématurément des suites de son tabagisme, dont la moitié avant l'âge de 65 ans. Le tabac tue, un dossier signé Serge Paragassoro et Serge Colea et Kone Paragassoro. Hier, c'était la journée mondiale sans tabac. Aujourd'hui encore, vous pouvez arrêter. Ce sera pour vous une journée sans tabac. La décision vous incombe. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.